Je peux dire, personne ne m'a conseillé de renoncer à ce voyage. Et de ma part, je n'ai jamais pensé à cette hypothèse parce que je sais si la situation devient plus compliquée, il est encore plus nécessaire de donner ce signe de fraternité, d'encouragement, de solidarité. Et donc, c'est le sens de mon voyage, inviter au dialogue, inviter à la paix contre la violence, aller ensemble pour trouver les solutions des problèmes. Le fondamentalisme est toujours une falsification de la religion et contre l'essence de la religion qui veut réconcilier et créer la paix de Dieu dans le monde. Et donc, la tâche de l'Église et des religions est se purifier. Une auto-purification de la religion, de cette tentation est toujours nécessaire. Il est notre tâche d'illuminer, purifier les consciences et faire clair que chaque homme est une image de Dieu et nous devons respecter dans l'autre non seulement sa altérité, mais dans l'altérité, la essence commune d'être image de Dieu, traiter l'autre comme une image de Dieu. Donc, le message fondamental de la religion doit être contre la violence, qui est une falsification, comme le fondamentalisme, et doit être l'éducation et l'illumination, la purification des consciences pour les rendre capables au dialogue, à la réconciliation et à la paix.